tous ces internautes, je suis très ravie d'être en votre compagnie cet après-midi. Eh bien, nous sommes à Yopougon, non loin du palais, au niveau du marché Kouté. Ça faisait longtemps que Loupi ne s'était pas rendu sur Yopougon. Et aujourd'hui, nous sommes à Yopougon, voilà, nous sommes là à Yopougon. Nous sommes venus interviewer les populations de Yopougon. Yopougon, la joie. Voilà, et vraiment nous aussi on est très ravis d'être avec vous ce matin. Et bien le sujet que nous allons aborder avec vous est le suivant. Les noms de caresses doivent être publics ou privés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, commenter, liker, partager nos vidéos via les réseaux sociaux. Abonnez-vous surtout parce que je ne me lasserai jamais. Je ne me lasserai jamais, je dis bien, de vous dire de vous abonner. En fait, c'est la base quoi avec Loupi. Abonnez-vous, partagez les liens afin que vos amis aussi qui ne connaissent pas la chaîne s'abonnent. Laissez les propositions de sujets en commentaire. Commentez afin qu'on sache si vous avez aimé le sujet d'aujourd'hui. Surtout vous, Yopougon. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Ok, bonjour. Bonjour madame. Comment vas-tu? Ça va bien. D'accord. Je rappelle que je ne suis pas madame, je suis mademoiselle. Ok, mademoiselle. Ok, merci miss. D'accord, la question est la suivante. Les noms des caresses doivent être publics ou privés, selon toi? Selon moi, le nom de caresse doit être public. Ah bon? Public. Ça ne pose pas de problème, oui. D'accord, et pourquoi public? Bon, il me dit que si vous vous aimez, ça ne pose pas de problème qu'on s'appelle des hommes. Chérie ou bien mon coco ou bien truc. Mais est-ce que ton homme va savoir que vraiment tu l'aimes? Parce qu'il y a des noms de caresses là. C'est quand on fait le mouvement qu'on prononce. Oh Dieu! Ou bien c'est quand vous êtes vraiment privé même là. C'est là, quand tu as prononcé en privé comme ça, est-ce que ça signifie? Non, mais il y a des noms de caresses. Le nom de caresses dans la chambre pendant que vous êtes en train de faire. C'est un peu plus bizarre, donc du coup, je pense pas que ça peut se dire. Bon, je vais dire que nom du genre, il doit avoir un nom de caresse pendant que vous êtes en train de... Un quoi? En train de... Une oven, yebam, abine, eben, yobem. Fais les trucs, voilà, et puis un autre nom de caresse. Voilà, et puis un autre nom de caresse. Donc deux noms de caresse, quoi. Oui, je vois. Ah, ouais, non, cette fois-ci, c'est joli. Parce qu'il y a des noms là qui sont bizarres. Hein. Voilà, si tu vois que c'est un nom qui est un peu bizarre, là, tu le prononces plus clos. Voilà, tu cherches un autre nom du genre. Si vous êtes dehors, tu peux l'appeler comme ça. D'accord, pas de soucis. Merci, bonjour Nathan. Merci à vous. Toi? Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Tu es trop sérieux, ça me plaît pas trop. Ah ouais, non, c'est pas si. T'es joli. Ça me t'as défaire. Oui, il a dit bonsoir. Justement. Tu es trop sérieux. Tu vois, notre émission, c'est une émission décontractée. Tu peux te défouler, tu peux parler comme tu veux. Tu peux même sourire, hein. Donc, pardon. Faut sourire. Pardon. Donc, sourire un peu. Une oven, yebam. Yo ben. Ah, t'as un joli sourire. Et puis, t'as le truc là, de tes dents. Hein? Jaune d'animaux. Hein? Ça là, on dit, c'est pas n'importe qui met dans tes dents. Hein? Mais c'est celles qui ont les belles dents là, même. Sérieux? D'accord, donc il va arrêter de taquiner. La question est la suivante. Le nom de caresse, tu préfères que le nom de caresse soit privé ou public? Il faut les énumérer en public ou en privé? On est plus précis. On est plus précisément. Public. Oui. D'accord. Et pourquoi public? Bon, pour moi en tout cas. Et puis si je sors avec peut-être mon chéri comme ça. Peut-être il a un nom de caresse à la maison. Mais je peux l'appeler parce qu'on est de caresse dehors. Pour que les gens sachent que c'est mon chéri. Justement. Voilà. Mais tu penses. Mais bon, est-ce que ça. Ça montre que vraiment, tu l'aimes. Moi, je pense que ces noms-là, pas vraiment. Ça peut être privé. On peut être dehors, mais pas dans tous les coins. Quoi. C'est pas partout que tu as l'appeler comme ça. Souvent, on pouvait être dans un restaurant, tu peux l'appeler par son nom de caresse. Ou pouvait être dans un petit lieu, mais pas aussi public que ça. Au marché, quand tu peux l'appeler, peut-être que tu l'appelles mon amour, tu peux appeler mon amour dans le marché. Ça, c'est clair. Peut-être dans les petits coins, un peu privé, quoi. C'est un peu ça. D'accord. Et tu as l'habitude de l'appeler comme ça dans ces petits coins-là, il ne se plaint pas, hein? Non. Parce qu'il y a d'autres hommes, ils préfèrent que ça soit privé seulement. C'est ceux qui trompent beaucoup les femmes, c'est qui font ça. Ah, il y a des Non. Dans le tien, ils ne trompent pas pour le moins. Bon, moi, je ne peux pas dire oui ou non, mais
Il me montre pas en tout cas. Tu montes pas. Ça c'est la meilleure des manières. Ou bien. D'accord. Donc merci et bonne journée à toi. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. D'accord, merci. Les noms des carrés doivent être publics ou privés? Bon, selon moi, ça doit être privé. Ah bon? Qui trouve, hein? Privé, d'accord. Et pourquoi privé? Parce que c'est mon nom, c'est moi qui ai le droit de l'appeler comme je veux. Donc je préfère que ce soit privé, quoi. Donc tu n'aimerais pas montrer ce nom-là en public? Non. Ah! D'accord. Ok, pas de souci. D'accord qu'Élu se plaint pas du fait que tu n'évoques pas ces noms en public. Hein. Non, ils n'aiment pas. Parce que entre eux, les jeunes, ils aiment te donner les petits noms façon là. Maintenant, ce que tu veux lui donner, lui préfère que tu l'appelles comme ça à la maison. Puis quand il avait ses amis, il préfère qu'on l'appelle comme le nom que ses amis connaissent. Quoi. Là, ça fait plus sens. Oui. D'accord, pas de soucis. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. D'accord. Il y a une question pour toi. Est-ce que tu as l'habitude de donner ton genre d'attribuer un petit nom à ton chéri? Oui, bien sûr. Et on peut savoir le nom? Mon nom. C'est caché. Comment? Mon ange. Mon ange. Ça fait ange ou bien? Non, mon ange. Ton ange. Cœur. Ton cœur. Ah, c'est plusieurs. Voilà, plusieurs. Ok. D'accord. Et ça aussi. D'accord. Mais entre les trois là, c'est quel nom même qui est phare? C'est quel nom même qui, quand tu dis là, vraiment il dit bébé, vraiment il sent que tu m'aimes. Bon, on peut dire mon amour. Amour là, tout le monde dit ça. Bon, toi c'est ton amour. Mon amour. D'accord, ok. D'accord, mais est-ce que ces noms là, tu les évoques pour toi, est-ce que c'est bien d'évoquer ces noms là? En public ou selon toi il faudrait qu'on évoque ce nom en privé? Bon, ça pose pas de problème. Ah bon? Tu trouves, hein? Chez moi, tout compte fait, c'est un nom que tout le monde utilise, donc il n'y a pas de souci. Donc toi tu préfères les évoquer en public ou en privé? Bon, les deux, mais en public je peux le dire, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais est-ce que c'est beaucoup sensuel? Est-ce que c'est beaucoup... Oui. Je pense que quand c'est privé là, c'est encore plus chic. Oui, en privé, je le dis, mais en public, ça ne m'empêche pas de le dire, quoi. Mais pourquoi tu le dis en public? Bon, en public, je sais pas, ça peut arriver, voilà. On peut être là, je peux l'appeler chérie, je peux l'appeler bon. Par son nom aussi, ça pose pas de problème. Voilà, il y a tout pas d'inconvénients. D'accord. Merci, bonne journée à toi. Merci, à vous. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Comment vas-tu? Très bien, chez vous? Bien, très bien, merci. La question est la suivante. Les noms de caresses doivent être publics ou privés? Le nom de caresses, selon moi, doit être public. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Public. D'accord, et pourquoi public? Pour prouver à ton homme que tu l'aimes et puis plus pimenter l'amour, quoi. Mais est-ce que le même nom que tu prononces en public là est le même nom que tu prononces quand tu es avec lui en huis clos et autres? Non. Ça c'est clair. Non. Deux noms différents quoi, deux surnoms. Ouais. D'accord, pas de soucis. D'accord, et quand vous prononcez en public là, votre mari, votre chéri ne se plaint pas? Il dit pas que non, bébé, pourquoi tu m'appelles en public? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Tu sais que c'est comme ça. Bon, c'est quelqu'un de réservé, mais j'aime beaucoup les taquiner. Quand je l'appelle comme ça en public, il sourit, mais ça lui plaît, mais bon, en public, il va se jouer, genre enfermé d'une manière. Les gens enfermés qui n'aiment pas, toi au fond, il aime. Voilà, c'est ça même. D'accord, merci, bonjour Nat. D'accord, merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. D'accord, je vais très bien. Voilà, la question est la suivante. Les noms des caresses doivent être privés ou publics, selon toi? Public. Public. Pourquoi public? Parce que je l'aime, tout le monde doit le savoir. C'est ma manière à moi d'exprimer mon amour. Ah d'accord. Mais si c'est... Tu trouves pas que c'est un nom un peu... Genre quelqu'un peut te voler ce nom que toi-même tu as réfléchi pour trouver là? Bon, si quelqu'un prend, c'est pas un souci. Ça me pose pas de problème. L'Afrique. Quelle est la différence entre celle qui évoque le nom des caresses publiquement et puis celle qui évoque le nom des caresses en secret quoi, qu'elle en huis clos avec son nom? C'est pas tout le monde qui aime les trucs publics. C'est pas tout le monde qui aime quand on connaît ce qu'ils disent. Il y a des gens qui aiment faire les trucs en privé, d'autres aiment en public. Moi, quel que soit en public ou en privé, ça me dérange pas. Ah, ok.
Est-ce que monsieur sait que c'est parce que tu l'aimes que tu lui as donné ce petit nom? Oui, il sait. D'accord, pas de soucis. Merci, bonne journée. Merci. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. D'accord. La question est la suivante. Les noms de carrés doivent être publics ou privés selon toi? Public. Ah bon? Tu trouves, hein? Public. Elle a crié public. Ah, d'accord. C'est que Amou là, c'est grave, hein? C'est trop grave. D'accord. Pourquoi selon toi, les noms des carrés doivent être publics? Dis-moi. Tu sais pas pourquoi? Bon. On ne sait pas trop. On a savoir. Donc tu disais, selon toi, pourquoi ces noms des carrés doivent être publics? Parce que je l'aime trop. Je l'aime trop, donc je veux que ça soit public. Pour que les gens sachent que tu l'aimes. Quoi. Voilà. Pour que les gens sachent que je suis là. C'est où la dame? La dame. Comme on le dit là, tu l'es. Pourquoi quand tu parles de ça, ça te fait rire? Je suis contente. Ça, c'est compliqué, hein? Mais tu es contente. On te pose la question. D'accord, donc tu as trouvé un moyen pour pouvoir t'affirmer, pour pouvoir dire, crier au monde entier que tu l'aimes. C'est ça, non? C'est ça, je dois crier, mais... Donc, il faut dire un peu que tu l'aimes. Je l'aime. Ah! Mais son nom, on ne le connaît pas encore. D'accord, ok. Merci, bonne journée. Eh bien, nous sommes au terme de notre émission. On a été très ravis d'être en votre compagnie cet après-midi. Portez-vous bien. Sur ce, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous surtout. Bye.